Lui, c'est Radan, un demi-dieu et littéralement le seul survivant dans ce désert qui était un champ de bataille. Ce boss, je ne sais pour quelle raison, me terrifie. J'ai l'impression que tout le monde doit y passer et que c'est vraiment un boss vraiment dur. Enfin, le mec, c'est un géant, demi-dieu, au milieu d'un champ de bataille, c'est le seul survivant. Enfin, tout porte à croire que ce mec est ultra fort. Et c'est le cas. Aujourd'hui, on va tracer un chemin pour pouvoir l'affronter et le battre. Mais avant ça, on allait battre d'autres boss avant lui. On est parti. La dernière fois, ce qu'on avait fait, on avait battu le dragon là avec les éclairs rouges, qui était un peu relou, mais je crois qu'il fallait lui enlever 10-15% de sa vie pour qu'il s'en aille. Laissez-moi le retrouver juste les touches. Ok, donc la dernière fois, on s'est arrêté là. Là, ah ben, on a une petite graine dorée qui nous attend. Mais en vrai, on va peut-être retourner au spawn pour voir si je peux faire ce boss. Putain, il m'a tué. Prochain try, on le fume. Aïe. Ah merde. Oh, botch. Ok, GG les mecs. Lui, c'est fait. Combien il me donne de points? 3200, ok. Et j'ai eu la hallebarde dorée. Et maintenant, il faut que je me dirige vers... Mais je sais pas où c'est. La Sophra. Bah, je vais le prendre, je crois que je l'avais pas pris. Putain, je l'avais pas pris, j'étais passé à côté la dernière fois. Ok, ouais, putain, c'est vrai que c'est beau. Ok, bon, on va explorer. Est-ce que je peux claquer le cheval? Oh, je peux claquer le cheval. Oh, c'est si grand que ça. Vas-y, on va récupérer un peu tout ce qu'on voit. Remettre des doigts crochus. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est des pierres de forge sombre pour améliorer mon arme. Oh, mais c'est qu'il y a du loot en plus. Je sais pas encore trop à quoi ça sert les plantes et tout, mais j'imagine pour faire des remèdes. Donc, on prend. En vrai, je peux juste courir aussi. Je suis pas obligé de les affronter parce que eux, ils étaient vraiment chiants. Je vais explorer grossièrement la zone comme ça là. J'aimerais bien récupérer un peu tous les items comme ça là. Runes dorées, pierres de forge. Y'a pas une carte à récup ou un truc du genre? Là sur la map, putain, mais en plus sur la map du coup je sais pas où je suis. Faudrait que j'arrive à récupérer Wouah, c'est stylé. Ok, y'a même des animaux, mais en fait y a... Ah ouais, ok, donc c'est... C'est vraiment une autre vie quoi. Y'a des biches. Mais c'est quoi ces trucs bleus là qui volent? C'est des ennemis? Ok, ça c'est quoi ça? Allumer la flamme. Ok. Ok, là c'est quoi? Carte, la Sophra, nickel. Ok, donc je vois où je suis et je vois où je dois aller aussi. C'est nickel. Donc là, déjà, je vais juste aller voir là-bas ce qu'il y a. Ok, il y a l'air d'avoir un... Ok, donc ça, ça doit être un boss. Pas de danger en vue. Ah, c'est pas un boss, c'est quoi? Ah, c'est un cadavre. Ouais, je sais quoi. Admirez-moi. Ok, mais ça sert à quoi, du coup, cet endroit? Essayez de doigts. Il casse les couilles, frère. Bah écoute, je comprends pas trop cet endroit. Pourquoi avoir nommé cet endroit? Mais il sert à rien. En plus, il n'y a rien à récup, j'ai l'impression. Bah, Golive. On va aller à droite, écoutez. Est-ce que ça, c'est une flamme qu'on doit allumer? Vas-y, je vais juste descendre pour voir. Non. J'ai cru qu'il y allait avoir plusieurs flammes allumées, mais j'ai pas l'impression qu'il y en avait qu'une, du coup. Est-ce que là, il n'y aurait pas un truc à allumer, là? Ça, là. Frérot. Je ne suis pas fou. Donc là, on a eu un deuxième... Je vais devoir allumer tous les piliers, j'imagine. Il va falloir que je les trouve tous, d'ailleurs. Pour l'instant, j'en ai vu que deux. Ça, c'est quoi, ça? Putain, j'arrive pas à les focus. Ok, comme ça, je peux allumer la flamme tranquillou. Nickel, donc on a allumé 3 flammes. Je sais pas combien il y en a allumé. Moi, je veux juste allumer ça, frérot. Nickel, j'ai régénéré toutes mes potions en plus. Je sais pas si ça va servir à un truc, hein, de tout récup comme ça. Enfin, de tout allumer. Allumer la flamme vite. Wesh, il capte même pas que je suis là. Ok, allumons la flamme. C'est la dernière là. Quelque part, du pouvoir émane des cornes d'une dépouille. Oh, ok, donc ça servait à ça. Tout s'explique. On va pouvoir aller au cadavre qu'on a vu tout à l'heure et ça l'a. Ça a réveillé un pouvoir là-bas. Ok. Oh, j'espère que ça va être un boss. Oh, c'est stylé, j'aime bien l'idée. Parce que je me disais, la zone, elle servait à rien. C'était sûr, il y allait avoir un truc. C'est pas possible de créer des zones qui servent à rien. Enfin, si, un peu pour le lore, mais... Ah, du coup, ça sert pour le lore, mais là, j'ai l'impression que ça servait vraiment à rien, quoi. Il est vivant? Oh, botch. Mon rêve qu'il soit vivant, qu'on se batte contre lui. Non, ça, j'en ai pas l'impression. Toucher la dépouille cornue. Wesh! Oh, stylé de fou! Ça nous a tapé dans une zone avec un boss? Alors là, putain, stylé de fou, mais je m'y attendais vraiment pas. C'est quoi, c'est ça le boss qu'on... Enculé. Esprit ancestral, putain, on dirait le...
crois qu'il a les rushs. Ok, donc là il va cracher ses flammes sur le côté. 2, 3. Désolé pour toi mon gars. Juste prends l'attaque, merci. Lui c'est le cinquième boss à faire. Ah ouais? Comment ça le cinquième boss? Ah dans la liste. Ah bon? Quoi? Comment ça le cinquième boss? Putain il y en a des... Attention ennemi fort, boss droit devant. Attention chevalier, vue imprenable droit devant. Oh c'est lui le boss frère. C'est quoi cette zone de malade? Oh je vais le voir bouger, je vais câbler frère. Oh! Olé! Ok. Bon. Ok, il attaque en devant. Ok, c'est parce que ça j'étais en dessous. What the fuck? Wesh! Oh non, je suis mort. Congélation? Ah ouais, mais... Frère, faut lâcher les attaques, là. Oh, faut stopper les attaques 2 secondes. Oh, il fait 2 attaques, sérieux? Ah, ça me fait chier de perdre de la vie sur ça. Ok, donc je peux lui mettre une attaque quand il se transforme. C'est con. Oh putain, j'ai plus d'énergie. Let's go. Non, il est pas mort. Si, c'est bon, il est mort. Let's go, GG. Lance de foudre glacée. Ok, bon ça va, c'était pas si horrible que ça au final, c'était pas un vrai cauchemar quoi. GG les mecs. Ok, donc là, on va pouvoir passer au prochain boss. Ah, j'ai même pas capté, mais c'est vrai que tout à l'heure, il y avait un dragon blanc là, enfin, tout à l'heure. L'autre jour, là, le dragon blanc aux éclairs rouges là, qu'on avait affronté. Ah si, c'est un boss. Ok, bah vas-y, go, on se le fait, hein. Ok. Lourd, lourd, lourd. Il m'a one shot. Lourd, lourd, lourd. Ok, bon, bah, je vais essayer de le faire à pied. Ça me paraît chaud quand même cette histoire. Ah, ok. Là, je comprenais pas l'attaque qu'il faisait, il mettait 3 heures. Mais je pense que je peux pas le faire. Il me quasi one shot. En fait, je vais aller au Ragan, là, le dieu destructeur, là. Le demi-dieu, là. Je vais me battre contre lui direct. Hein. Eh, tue la musique. Attention, boss. Ah ouais? Allez, viens là, ma gueule. Mais c'est faux! S'incliner poliment. C'est ce qu'on doit faire? Je m'incline devant toi. Mais il a une vraie tête de loup! Ah, mais c'est un vrai loup! Ok. Ah merde. Ok. Me parle. Êtes-vous paré, jeune homme? Que le festival commence. Alone.
me to paint you the full picture. Est-ce que je pourrais faire retour arrière juste? Parce que là, ça m'a demandé si j'étais prêt et tout. General Radahn. Quoi, je peux pas? Ah oui, donc ça commence instant. Radahn, le fléau des astres. Wesh! Il est malade, lui. C'est quoi ces trucs là au sol? Quoi? Je peux invoquer des gens? Ah. Wesh! Je peux invoquer des soldats? C'est des mecs comme Ed. Ouais, mais y en a beaucoup, non? En vrai, je vais tous les invoquer, frère. Après, c'est sûrement pour pas que je me prenne les flèches le temps que j'avance. Je pense. Wesh, elle arrive à une vitesse. C'est une singerie. C'est quoi ce bordel? Wesh! Il le tape, il le tape! Wesh! Attends, il est sur un cheval, là? Oh, le pauvre! Gueule. Fumez-le! Fumez-le! Oh, c'est la guerre, frérot. Wesh! Oh là là! Non mais c'est un bordel. C'est un bordel. Ouais, il y avait un gros pot. Mais je crois que c'est lui, Alexander. Oh la dinguerie. Non, mais par contre, mais attends, mais faut que j'ai un arc, faut que j'ai un... C'est pas possible, frère. Ou je les laisse tous se taper jusqu'à qu'ils... Parce que s'il a plusieurs phases, moi je suis fini. Hein. Aïe aïe aïe. Il a une attaque de foot qui te one-shot. Bah allez, rien que ça. Bah déjà, rien que cette attaque, quoi. Allez, viens là, mon pote. Ça, tu vois, activer le cheval, ça j'apprécie. Je voulais juste tous les invoquer. Voilà. En vrai, je peux le taper à cheval. Non, il m'a one shot. Oh, j'en peux plus, frère. Oh là là, mais c'est quoi ce boss de fou, frère? Comment c'est possible que ce soit le... Elle est où la transition entre le dragon que j'ai fait tout à l'heure et ce mec? Il y en a pas, frérot, il y a aucune transition. Il me balance juste un mec, juste trop fort là. Mais c'est pas grave, on va se le faire. Faut juste bien que je les invoque tous. Là-bas, j'ai vu, il y avait un truc à récup. J'ai des lances par contre. Oh merde. En vrai, je les laisse peut-être taper aussi. Hein. Un, deux. Attends, faut que je capte ses attaques en vrai. En fait, faut juste que je capte comment il attaque. Je vais laisser les autres attaquer. Ok, deux. Okay, il fait un dash, il fait plein de tornades. Ça doit être deux esquives. Un truc au sol. Ça, ça a l'air d'être un bordel à esquiver ça. Aïe aïe aïe. En fait, faut que j'arrive à lui mettre une attaque. Là, là. Pas là, pas là. Là, ça aurait été bien. Voilà, je lui ai mis une attaque. Ok, tout le monde est mort. Non, pas lui. Ma question c'est, est-ce que moi aussi je dois être à cheval? Ouais. Vu que lui il est à cheval. C'est quoi ça? C'est quoi? Wesh, des lames de roche. J'ai trop peur qu'il fasse un truc où il me spawn dessus. Il est vrai quand même qu'il est temps d'aller XP, car depuis le début du jeu, ben je rushais quand même pas mal les boss parce que je voulais pas mal me battre. Même si j'ai fait quelques quêtes à côté, mais bon, pour ça faut venir sur les lives, je suis parti en quête d'une grotte qui allait me donner des pierres de forge sombre pour améliorer mon épée.
évidemment que je me suis pas gêné pour farmer tous les mobs que je voyais ainsi que les mini-boss. Maintenant, notre arme principale, le croc du limier, est au level 6. On lui a fait prendre 2 levels d'un coup. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui est un jour normalement béni. Nous allons essayer de battre Radan, si c'est bien son pseudo déjà parce que je m'en rappelle pas. Les gars, du coup j'ai fait un petit live pour XP, je suis level, je vais vous dire ça, je suis level 72. Donc statut level 72, je me suis mis 27 en vigueur, en endurance et en force max, donc je suis mon build. Et dextérité, je suis qu'à 28 pour l'instant, et level 72. C'est lui les gars qu'on va devoir affronter aujourd'hui. C'est un live que pour lui carrément, il a le droit à son propre live, c'est trop grave. Mais là j'ai assez level up, sur la dernière fois je l'avais essayé, c'était impossible. Il me one-shoté, je faisais pas de dégâts, là j'ai augmenté un peu plus mes dégâts, donc là on espère que ça suffira. Après au cas où, j'ai une stratégie, si on le bat pas, différente de ce que j'ai compris, bah en fait il est contaminé par Millenia, donc il aime pas la putréfaction, et en gros on peut aller chercher un sort pour le putrifier, et on peut le faire assez facilement en vrai de vrai, mais on verra. J'aimerais bien quand même le faire en esquivant, mais le truc c'est qu'il a des patterns, il a l'air d'avoir des patterns de fou furieux. Fais ton combat à cheval, non faut pas le faire à cheval, c'est le début, faut être à cheval juste, mais c'est un truc de fou furieux. Ok, on est parti. Donc là déjà, on va esquiver sa première flèche. Putain, il bug le live là. On ressuscite les guerriers. Classique. Là, il fait cette attaque là. Bon, classique. En fait, je connais pas ses attaques, donc... Oh, je fais pas mal de dégâts en vrai. Okay. Alors de ce que j'ai compris, je peux aller réinvoquer des gens. C'est le but du combat, c'est pour ça qu'il y a ça. Donc là je peux réinvoquer lui. Là il y a un truc de réinvoque. Non lui il est buggé, il est sous le truc. Ok donc il a qu'à... Oh, c'est quoi cette attaque? Ok, on va attendre qu'il fasse ça là. Je sais pas ce qu'il fait. En fait, faut attendre qu'il soit un peu stun par sa propre attaque. C'est quoi ça? Ok, voilà, c'est ça moi que j'aime pas là. C'est ses attaques de zone un peu là. Ouais, voilà, vous voyez, il a tapé tout le monde en même temps là. Et ça, c'est clairement ce que je veux pas. Je vais vite aller réinvoquer. Wesh! Ma bombe de fou. Ok, c'est quoi ça? Ok, nickel. Wesh, il est vénère, hein. Il est vénère de fou. Oui. Ok, celle-là, je l'avais pas vu venir. Ok, c'est parti. Il fait quoi? Pourquoi il se barre? Oh, botch, c'est quoi ça? Wesh. Ah oui, il rigole pas. Je me heal. Bon, je loupe ma seule attaque. Voilà. Voilà. On va esquiver le truc gravitationnel. Ah non. Wesh. Ok. Ça doit être la deuxième phase. Wesh. Oh, la météorite. Ah non, c'est lui. Ok. Ok, qu'est-ce qui va se passer là? Enculé. Il envoie des rochers lui aussi. Oh, j'aime pas ça. Attends. Il reste autour ou il les lance? Est-ce que c'est comme la meuf de la lune là? À un moment donné, elle va les lancer en mode random. Ok, je suis pas mort.
J'ai réussi à esquiver ça. Oui. Oh, botch. Oh, je suis mort. Oh, je suis pas mort. Oh oui. Vite. Vite, vite, faut que j'aille invoquer des gens là. Oh la dinguerie. Ok. Il a pas gardé ses cailloux. C'est peut-être le moment pour moi. En fait, il fait que bouger aussi. Je l'ai esquivé. Allez, viens là. Oh non, je suis mort. Oh, aïe. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Il lui restait plus de vie. Oh. Ok. Ok, en même temps, c'est un gros boss. C'est... Vas-y, c'est normal de mourir. Juste à la fin, ça fait un peu chier. On va recommencer et on va se le faire. Oh, je lui ai mis trop de dégâts en plus. Oh, j'ai le seum, je suis mort. Oh, je l'ai stun. Oh, c'est la première fois que j'y arrive. Oh, watch, je l'ai défoncé. Regardez la vie qui lui reste, il a plus rien, il va faire son truc que maintenant. Alors que tout à l'heure il était mid-life pour faire sa attaque. Il attaque d'où? Oh botch. Ouais, je l'ai tué, voilà le monde. En vrai, je peux me permettre de claquer un heal maintenant, vu le peu de vie qu'il a. Oh, je l'ai défoncé. Salut Ken. Eh les gars, le live il va pas il va pas durer longtemps parce que c'était vraiment que pour ce boss que j'ai fait le live. Ah ça. Ok, on va attendre. Ah, mais il va se faire tuer. Mais en fait, il est mort. Oh, je veux lui porter le dernier coup. Non, il est mort. Bah écoutez, bah voilà. Vous avez vu le nombre de dégâts que je lui ai mis au corps à corps? Je l'ai explosé quand je me suis rapproché de lui. Une dinguerie. Bon, bah GG. Eh, franchement, je pensais vraiment pas... Attends, mais j'ai fait quoi? J'ai fait 3 trails. GG les mecs, hein. GG, un max GG. Genre vraiment, j'ai fait... Oh. Je laisse la petite cinématique. C'est quoi là? C'était trop stylé. C'est quoi? C'est une météorite qui a atterri quelque part là? C'est quoi le mode terrain pour les x30? C'est x30 mobs d'un YouTube. Wesh, il y a un truc explosé sur la map. Ouais, troisième try, c'est ça. Un symbole rouge a été inscrit sur votre carte. Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est pression de se battre. Hein. Tout l'honneur du combat revient à toi et à Radan. Et puis cette étoile filante qui tombe juste devant nos yeux, wesh! J'aurais jamais pu imaginer que Radan retenait quelque chose d'aussi immense, c'est vraiment une légende vivante. C'est un demi-dieu, Radan, de ce que j'ai compris. Eh, le boss, il était incroyable. Oh, Alexander, qu'est-ce qu'il fait là? Champion, chéri. Moi, en revanche, je ne suis qu'un vieux croulant. Un seul coup a suffi à me fissurer et à me vider de mes entrailles. Après cela, je me suis caché tel un coureur. Je ne mérite donc pas de me trouver face à quelqu'un comme vous. Attendez, mais il faut que j'aille... C'est ça? Attends, c'est ça? Cratère stellaire. Attendez, on va y aller quand même. Les gars, on a un cratère à visiter. Avant de couper, ça a l'air stylé quand même ce qui s'est passé. What the fuck? Attends, parce que là il fait nuit donc on voit pas très bien mais... Attends, ça... Wesh, y a de la gravité... Y a plus de gravité ici genre. What the fuck? Ah, on voit pas si bien que ça en fait, même de jour. Mais le truc c'est que c'est marqué sur la carte donc forcément... Ah bah ça doit être là, regardez. Une sorte de petit chemin pour descendre. Alors je sais pas ce qu'on va y trouver. Hein.
Et bien ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de changer le montage comparé à la première vidéo. J'ai un peu alterné entre montage des combats, un peu aller chercher des ressources, des moments assez chill où juste on peut suivre ce qui se passe. Franchement, laissez-moi votre avis en commentaire. Il est très important pour moi pour savoir si vraiment vous aimez ce genre de contenu. Et en plus de ça, vous pouvez vous abonner et surtout liker cette vidéo. Sur ce, c'était Kyoten, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.